Bonjour les amis, comme promis, je fais une deuxième vidéo, c'est mon deuxième de la journée. Cette fois-ci, je vais parler à propos de ce que je vais faire bientôt, le 7 décembre, mon contrat ici au Resort Azur se termine, donc j'ai pas l'intention de renouveler un mois ou deux mois de plus. Je vais partir pour la province de ma blonde, Mindoro. J'ai beaucoup aimé mon expérience quand j'y étais il y a deux semaines environ. Donc c'est le genre de vie que j'aime beaucoup. Donc je m'en vais là-bas. Et en attendant mon statut de permanence, je vais vivre chez ma belle-mère, si on peut dire. Même si elle a le même âge que moi. Elle m'apprécie beaucoup. Tout le monde là-bas m'aime bien. J'ai beaucoup aimé mon expérience. Il y a même une petite fille qui m'a adopté, qui voudrait que je sois son papa, même si elle en a un. Donc, c'est ça. Je vais aller vivre là-bas en attendant mon statut chez ma belle-mère. Un mois, deux mois. Après, je vais devoir me trouver quelque chose d'autre pour accueillir tout mon monde sous le même toit. Donc, c'est ça. J'ai l'intention de m'acheter une terre là-bas. Il y en a des pas chers. Et ce soir, je vais aller visiter... je vais aller voir une voiture. J'en ai vu une hier et j'ai été très déçu. Bon pour la scrap. Mais là, j'en ai trouvé une autre et mon mécano est satisfait de ma recherche. Il dit, on va aller voir ça à soir. Donc, à soir, je vais aller voir un nouveau modèle, Mitsubishi Adventure. Très, très populaire ici. Très apprécié des Philippinos. Donc, plus facile à trouver les pièces pour le réparer, contrairement au Chrysler que je allé visiter hier. Puis, j'avais trouvé un Nissan aussi, X-Trail, mais mon mécano, il dit les pièces Nissan coûtent cher. Il m'a conseillé le Mitsubishi Adventure, donc je suis allé voir ça. J'en ai trouvé un à bon prix. Je lui ai envoyé les photos, le numéro de téléphone du gars. Il a appelé, puis tout est beau. On va aller visiter ça ce soir. Donc, ce soir, je vais aller visiter cette voiture-là, en espérant que cette fois-ci, ça va être la bonne. Il ne me reste plus beaucoup de jours. On est le 1er décembre. J'ai plus beaucoup de jours avant de trouver une voiture intéressante à bon prix ici. Et j'ai d'autres démarches à faire. Donc, c'est important que je trouve la bonne voiture le plus vite possible pour finir mes autres démarches. Je veux faire ma demande de résidence permanente avant de partir d'ici. Parce que si je ne le fais pas, je vais devoir revenir. Il y a seulement à Manille que ça peut se faire à Intramuros. C'est tout près du port. Et seulement ici, il n'y a aucun autre bureau d'immigration qui vont me donner ce statut-là où je peux faire ma demande. Donc, je dois la faire ici avant de partir. Lundi, j'ai une chose à faire et ensuite, dans les jours qui vont suivre, je vais devoir aller faire ma demande à Intramuros. Tout est bien settlé pour que je parte le 7 décembre. Je vais même avoir mon chauffeur personnel parce qu'il paraît que le trafic à Manille, c'est pas facile de conduire. Donc,
blonde de ma blonde va descendre de Mindoro pour venir conduire mon camion pour l'amener là-bas, mon véhicule. Une fois rendu là-bas, ben, je vais pouvoir le conduire moi-même. Il n'y a pas de trafic. Ça va être moins compliqué. De toute façon, c'est pas un véhicule que je vais utiliser tous les jours. Il y a des motos, il y a des tricycles que je peux utiliser. Ça coûte pas cher. Ça va coûter moins cher que de mettre de l'essence dans mon camion. Je vais utiliser mon camion au début seulement pour aller faire l'épicerie, des choses comme ça. Et puis, quand je vais avoir mon statut, bien, je vais m'en servir pour aller me trouver une terre. Parce que la province est quand même assez grande et je ne veux pas vivre exactement dans la même ville où ses parents habitent. Je veux m'éloigner un peu, elle aussi, avoir un peu la paix. Donc, c'est ça pour ces choses-là que je dois faire. Excusez un peu parce que là, je ne voulais pas peser sur un bouton et fermer ma vidéo. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je pourrais dire que je suis content que vous me suiviez. Je l'apprécie beaucoup. Si c'est possible pour vous de partager mes vidéos, ça serait apprécié aussi. Partagez-les à vos amis si jamais ça les intéresse, ce que je peux vivre ici aux Philippines. Si jamais il y a des gars que ça pourrait intéresser de venir vivre ici, c'est des informations importantes que je peux partager. C'est pas toujours facile, il n'y a rien de facile, mais ça vaut la peine. Quand on n'aime plus l'hiver, quand on n'aime plus les dépenses excessives, excusez, je remonte d'une grippe. La vie ici, c'est plus smooth. Pas en ville, mais en province. La vie est plus smooth. Surtout lorsqu'on vit éloigné du village. C'est plus smooth. Si vous voulez prendre votre retraite ici, vous avez l'intention de vous faire une copine de votre âge ou plus jeune, c'est votre choix. Posez des questions. Je vais y répondre franchement. Par expérience et aussi avec tous les vlogueurs que j'ai consultés avant de venir, j'ai constaté que ce qu'ils disaient, c'était la vérité. Donc, je peux dire la même chose qu'eux autres. Vous conseiller là-dessus. Ne vous gênez pas si vous avez des questions. Pour les nouvelles personnes qui regardent ma vidéo pour la première fois, je suis un Québécois, Canadien, donc un Canadien-Français, qui a décidé de prendre sa retraite à 60 ans au lieu de 65, parce que j'en avais ras-le-bol de la vie que je menais chez moi. J'aime la campagne, j'aime être à l'extérieur, j'aime travailler dans le jardin, j'aime travailler le bois, j'aime être dehors. Avec l'hiver qu'on a au Québec, c'était plus possible. J'étais hyper stressé. Et puis, je travaillais dans le domaine de l'alimentation. Et j'ai constaté qu'à cause du COVID, beaucoup de clients, beaucoup de gens ne sont plus aussi gentils qu'ils étaient. Impolis, impatients, manque de courtoisie, de savoir-vivre. Donc, je me suis tanné de servir. J'avais plus envie de servir des gens qui n'appréciaient pas ce que je faisais. J'ai décidé de prendre ma retraite, tout quitter, tout vendre pour partir aux Philippines.
le pays d'Asie du Sud-Est le plus sûr, le plus sécuritaire. Ici, la sécurité est omniprésente. Il y a des gardiens partout, la police. Vous allez à la banque, il y a quelqu'un devant. Vous allez à une bijouterie, il y a quelqu'un devant. Vous rentrez dans un centre d'achat, vous êtes scanné contre les armes à feu. Si vous avez un sac, regardez à l'intérieur. Si vous n'avez pas des armes, ici sur le resort, c'est un resort urbain. 9 buildings, 19 étages chaque. Il y en a à louer. Il y a des condos à vendre. C'est à peu près l'équivalent de 675$ américains par mois. Si vous louez plus longtemps que un mois, deux mois, si vous louez pour 6 mois ou 1 an, ça va descendre. Vous allez vous retrouver à tout près de 500$ par mois pour un condo, une chambre à coucher, avec full sécurité, des commerces dans le resort, une piscine à vagues, une piscine pour faire des longueurs, 2 lagoons, des petits lagons pour vous baigner, un bar qui est ouvert le soir tout près de la piscine à vagues, plein de choses, de facilités, un gym, quand vous êtes résident, vous avez accès au gym, il y a une mini-salle de cinéma. Vous réservez d'avance, vous réservez la sorte de film, vous réservez votre film, et puis vous avez la petite salle de cinéma pour vous tout seul. C'est pas très grand, mais c'est à vous tout seul. Donc, il y a beaucoup de choses sur le resort. Si vous aimez la ville, si vous aimez pas la ville, ben, à l'extérieur, ça va vous coûter encore moins cher. Si vous voulez pas acheter, vous voulez simplement louer, vous pouvez vous trouver l'équivalent de 675$ par mois, c'est à peu près 25 000 pesos. En campagne, en province, qui disent ici, vous pouvez vous trouver un logement facile, 2 chambres à coucher, pour 10 000 pesos. Alors, faites le calcul. À peu près. Un petit gecko. C'est le fun, ça aussi. Oh, un autre. Il commence à sortir. 40 cents. Une pièce égale 40 pesos. Donc, faites le calcul. À peu près 40-41 cents. Ça varie. C'était plus 48 quand je suis arrivé, mais ça a baissé. Tout comme l'argent américain a baissé. Donc, si vous prévoyez venir ici, apportez plutôt l'argent américain. Le plus tôt possible. Alors, regardez les taux. Si les taux montent, attendez un peu pour avoir plus d'argent. Avec l'argent américain, vous le changez. Il y a beaucoup d'endroits ici pour changer votre argent. Vous allez avoir plus de pesos avec de l'argent américain que de l'argent canadien. Ma gorge est irritée. Donc, si vous avez l'intention de venir... Yeah. Si vous avez l'intention de venir vivre ici, en ville, où est-ce que je suis, c'est le moins cher que j'ai vu. Puis c'est sécuritaire, beaucoup plus que les autres hôtels, parce que c'est un réseau... C'est fermé. Il y a une clôture tout le tour, et puis il y a 2 gates pour entrer, puis il y a des gardiens à chaque. 24 heures sur 24. Vous rentrez pas aussi facilement que vous voulez ici. Si vous voulez vivre à la campagne, ben c'est à peu près ça. 10 000 pesos par mois, si vous louez à l'année. Vous meublez vous-même. Parfois, ça peut être semi-meublé. Mais si vous voulez meubler vous-même, arrangez-vous pour rester là, parce que si vous avez à déménager, ça va se compliquer. C'est pas aussi facile de déménager ici avec beaucoup de meubles que chez nous au Québec. Donc, je vous remercie. Continuez de me suivre. Aimez mes vidéos. Partagez-les. Et continuez de me suivre. Il va y avoir d'autres vidéos avec d'autres aventures. Comme de raison.
comme ils disent ici, only in the Philippines. Merci, au revoir.